Salut les amis, c'est Brennan, et oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui je suis là pour parler des hand spinners, comme vous pouvez voir comme le titre. Maintenant, nous allons parler de cela. Bon, le hand spinner a été créé pour pas se stresser et pour écouter le professeur. Mais vous, vous en achetez pour en avoir le plus, on dirait, parce que j'en ai vu un avec 6, un avec 3, il y en a qui ont frappé, comme mon ami Jace. Allô Jace. Je voudrais vous poser une question à tous ceux qui en ont plein. Pourquoi? Pourquoi 6? Pourquoi 5? S'il vous plaît, dites-moi le pourquoi. Alors, moi-même, je m'en suis procuré un et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Non, mais vous le savez, mais normalement, parce qu'il y en a qui l'utilisent d'une manière insensée, je veux dire. Voilà, ça c'est le mien. Et voilà, c'est juste ça qui se passe. Mais le hand spinner, le fidget spinner, c'est fait pour se concentrer. Et c'est fait pour les personnes autistes. Alors, il y en a qui veulent faire des tricks avec des tricks. Je suis pas très habile. Je veux faire comme des trucs comme ça. Ah merde. Bon, en tout cas, moi c'est un hand spinner avec des emojis. J'ai pas trouvé mieux. M'insultez pas s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que vous réfléchissez dans vos cadeaux. Je suis sûre que vous, dans tous vos cadeaux, vous voulez ça. Cette chose. C'est vrai que c'est un petit peu amusant à jouer. De faire... Mais je suis pas très habile, comme vous pouvez le voir. Attendez. Je pense que je suis plus nul avec ça. Regardez. Bon, en tout cas. Et hand spinner a été créé par une personne. Et c'est très récent, car c'est encore justement à cause de mon ami Jace. Qui en a amené pour la première fois à mon école. J'espère que tu te reconnais, Jace, avec ton hand spinner en... pas en carton, mais en sorte de bois, là, mais en plastique. Je sais pas comment l'expliquer. Et avec des scènes noires ici. Et j'espère que tu as reconnu ton hand spinner. Et peut-être qu'il y en a qui veulent l'avoir juste pour les yeux. Mais il y en a qui sont très fragiles. Il y en a qui... coûte 1000$ et tout ça, là. Mais c'est juste pour un hand spinner, là. 1000$ juste pour un. Mais quoi, tout le monde va avoir le plus stylé, hein? Le shuriken là que Maxime Fraser m'avait montré. Vous, je sais pas si vous le connaissez, mais moi je le connais parce qu'il est dans ma classe. En tout cas, ouais, tes shuriken, t'as l'impression que t'es fou là. Oh. Et ceux qui coûtent 1000$, hein? Eux qui sont full de gros, qui quand ils les lancent, t'as l'impression qu'ils volent. Et oui, ils volent. Bon, j'espère que ce sujet, vous l'avez apprécié. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!